Pierre Abgral entra dans le monde des marins le 2 octobre 1920. Il fut embauché pour assurer le gardiennage de la Charmeuse qui avait touché le quai la veille. Au revoir, Pierre. Au revoir, patronne. Dites bonsoir aux filles. Durant la campagne, le trois-mâts avait affronté les ouragans, subi les tempêtes. Sa coque était endommagée, les vergues et les mâts avaient souffert, la voilure avait été mise à mal. Pierre donna la main aux charpentiers, aux calfats, aux peintres, aux cordiers, aux voiliers qui se succédèrent à bord pour remettre le bateau en état de naviguer, pour réparer des flots les réparables outrages. Dans la cale, sur le pont, en haut des mâts, partout, le paysan entendait l'appel de la mer. Il ne put y résister. Pierre sollicita un embarquement à la foire aux marins, une fête foraine durant laquelle les armateurs et les capitaines faisaient la chasse aux bons matelots pour compléter leur équipage. Joseph et Soulier Verny lui offrirent son premier engagement. Cochon qui s'en dédie. Je n'ai jamais vu quelqu'un prendre du grade aussi vite. À la tienne, matelot. À la vôtre, monsieur Louvet. À la vôtre, capitaine. Qui c'est, celui-là? Le père Le Breton s'était juré de ne pas rembarquer. La mort de René et son avant de Doris l'avaient tout chamboulé. Il accepta pourtant de recevoir le protégé du capitaine et de le former au dur métier de marin. Il se prit d'amitié pour Pierre et consentit à faire une campagne de plus avec son nouveau matelot. La Charmeuse appareilla le 1er mars 1921. Elle avait à son bord un novice qui répondait à l'appel du large et rêvait, grâce à son nouveau métier, de faire battre le cœur de Marie la Lavandière. Un novice et deux mousses qui, pour la première fois, quittaient leur mère. Dieu, nous l'a déjà parti. Haïssez! M'embarquer. Moi, même qu'elle m'a demandé de t'assommer pour pas que tu travailles avant qu'on soit dans le large. Salaud! Salaud! Elle n'a pas pu dire ça! Si, c'est vrai!
Hey, frotte-toi la tête, tu sentiras la bosse. Salaud. Ça suffit, les gars. Ne gaspillez pas vos forces. Dans quelques jours, vous en aurez besoin. De mon temps, le type qui sortait son couteau, il avait droit au châtiment. Dégueule tranquille, je t'expliquerai. Si tu dégueules contre le vent, tu vas tout ravaler. Tiens, mords dedans. Ça va te remettre le cœur en place. L'emmerde pas. Fous-lui la paix. Laisse-les dire, va. On est tous passés par là. Pendant 2 ou 3 jours, tu vas dégueuler la terre et puis après, tu seras quitte. Tu verras, tu n'auras plus jamais le mal de mer. Une nouvelle. Nous la partie sur le grand vent, sur le grand vent. Tu n'as pas commencé à nous emmerder avec tes chansons, cœur aussi. Si. Nous la partie sur le grand vent, sur le grand vent. Pêcher de la mort, rue du flétan, rue du flétan. N'auront plus de femmes durant longtemps. Finis ces volites et fermez votre gueule, pour Dieu. Je sais plus ce que je joue. Dormiront tous seuls dans notre coin, seuls dans notre coin. Nos pauvres mains n'auront plus rien, n'auront plus rien à caresser ni cul ni sein, ni cul ni sein. Mais de toute façon, on a gagné, hein? Bah forcément. On peut pas perdre quand on joue avec un cocu. Pourquoi tu me cherches? T'as pas eu ton compte avec Curoussier? Tu veux remettre ça? Allez-y, les gars, perdez pas de temps. Vas-y, Jean-Marie, tu vas la voir. Ferme-lui sa grande gueule, une fois pour toutes. Voilà. Pourquoi il se bat? Il fait rien, il s'amuse. Peut-être pas. Allez, on s'en fait une petite dernière. Peut-être cacheront nos pleurs, cacheront nos pleurs. Hé, hey, t'as vérifié les amarrages? Oui, capitaine. Si les vents virent au suroît, réveille-moi. Il devrait tenir toute la nuit. Pas sûr. Reste bien au 230. 230.
Le 1er mars 1921. Route Forte Bise. Suis à la main. Qui se fie à la mer, se fie à la main. Allez les mousses, au jus! Allez les gars, au jus! Allez! Allez les mousses, allez, au jus! Allez. Allez! Allez, Félix, sors de ta cabane! Et Louis, allez, plus vite que ça! Très bien, ouais! Et maniez-vous le train! Allez, au jus! Et avant la belle, avant les doigts, marquer de l'âme, choquer les gouttes, la belle, à choquer moi. Arrivez enfin les gars, c'est pas trop tôt. Café bouillu, café foutu. Et dites pas que c'est moi qui l'ai fait chauffer trop vite, parce que je vous botte le cul, moi. Tiens. Aïe. Ah, ça commence bien. Prends le bas. Prends le bas. Prends le bas. Allez, prends le bas. Les tribordés en premier. Reste assis, on a tout le temps. Mise à la cape courante! Mise à la cape courante! La misaine au baril! La misaine au baril! Un lien fixe! Un lien fixe! Mettez pas le nez dehors. Ça va durer longtemps. Ben non, c'est juste un mauvais grain pour nous rappeler qu'on part pas en balade. Où tu vas? Voir là-haut s'ils ont besoin de moi. Tu te souviens de ce qu'a dit le capitaine? Quoi? Cacheur, ils ont failli toucher le fond. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est?
Tais-toi! Pourquoi tu pars? Parce que tu m'emmerdes! Ne me laisse pas tout seul! Tu m'emmerdes! Ne me laisse pas tout seul! À l'abri, mais nous on est dehors. Tu regrettes pas d'être là? Non. Tant mieux! La mer se fie à la mort. Tu t'es bien, Mélanie. Ne pas se faire de bile. Tu peux être tranquille. J'ai bien regardé, j'ai pas vu de lumière sur la charmeuse. Pas un seul cierge. J'ai bien écouté aussi. Les noyés n'ont pas dit son nom. Allez, viens, entre Léa. Tu vas tout me raconter. Il fait froid ici. On sera bien mieux à l'intérieur. Non! Je veux pas. Il va peut-être rentrer ce soir. Faut que je me dépêche. J'ai rien de prêt à souper. Il leur donne pas à manger à bord. Ça fait plusieurs fois que je l'entends la nuit. Il se plaint d'avoir l'estomac vide. Si je le nourris pas, il va finir par être malade. Grossi.
est à la chiasse. Veste en froc. Ça te lavera le cul. Le 8 mars, le vent passe au Suroît avec pluie et grosse bise. Allez, tiens, tiens, maman. Merci. Tiens. Bah, qu'est-ce qui est pas servi? Ouais. Oh, je t'ai vu, cuir aussi. N'y reviens pas, t'as eu ta part. Je n'ai pas eu cette nuit. T'es m'en apporté là-haut. Il me semble que j'ai droit à la double, non? J'ai bien gagné? Moi, je suis les ordres du capitaine! C'est à lui qu'il faut réclamer. Double accordé à Curoussi. Et à tout le monde. Merci, monsieur le capitaine. Et à moi aussi. À vôtre, les gars. Bah, par ici, les mousses. Vous y avez droit, vous aussi? Bah, approchez, et pas honte. Va falloir commencer à vous zinguer le gosier si vous voulez être des hommes. Non. On a promis à notre mère qu'on boirait pas de boisson grisante. Mais votre mère, elle est pas là pour vous surveiller. Alors profitez-en. Regardez votre père, il aime bien ça, lui. Crache pas dessus, hein. Dis-leur, amant. La goutte, c'est aussi nécessaire aux marins que l'eau de mer aux poissons. Et celui qui refuse un boujaron, il a pas sa place à bord. Porte-leur ça. Quand ils auront pris goût, ils se mettront dans la file sans qu'on les commande. T'auras plus besoin de leur donner le biberon. On a promis à maman. Force-les. Les mousses, c'est fait pour obéir. Si t'y arrives pas, nous, on va s'en occuper. On a promis, papa. On va te faire couler ça dans le bec de gré ou de force, mon bonhomme! C'est comme ça qu'on a été formés, nous autres! Et y a pas de raison que ça change! Pas vrai? Allez, du monde avec moi pour les tenir! Boîte d'horloge! Capitaine? Va-t'en vérifier l'arrimage de Doris. Il a pris du mou durant la nuit. Tu perds rien pour attendre. Bonsoir Marie. Bonsoir la patronne. Ah, vivement que les journées rallongent. La soirée va être longue. Oui. Ça fait déjà 15 jours qu'ils sont partis. 16. Parce que tu comptes toi aussi? Oui.
Toi aussi, tu penses à la tienne. Ça nous manque déjà de ne plus les voir. C'est toujours comme ça durant le voyage, quand il fait bon et qu'on n'a pas encore eu de nouvelles. Sur les bancs, ça ira mieux, on n'aura plus le temps d'être triste. C'est au retour que c'est le plus dur. Ça arrive qu'on se fait des idées. On se méfie. On se monte le bourrichon. On se dit qu'elles seront peut-être pas là sur le quai. Tu m'écoutes ? Oui. Qu'elles en auront eu marre d'avoir eu peur à chaque coup de vent et de nous attendre si longtemps. Là, les jours sont longs. Ça paraît qu'on n'arrivera jamais. Une fois à terre, si tu racontes que t'as eu le cafard, elle rigole. D'après le dernier point, on est par 38 degrés ouest. Il est pas loin de minuit chez nous. Tout le monde doit dormir. On ferait bien d'aller en faire autant. Veille bien à ce que le fanal reste allumé. Là où on est, on peut croiser un vapeur durant la nuit. Bonne nuit, capitaine. Bonne nuit, Manu. C'était temps que t'arrives, il n'y a presque plus rien dans la marmite. Je vois. Oh. Il a joué la vache ? Alors ? Sa misaine est en dentelle, ses huniers en sapin blanc. Mon grand mât, c'est pour la belle. Eh, tu inventes la cure aussi, ces paroles-là sont pas dans la chanson. C'est comme ça que le père Gaga, il disait quand j'étais novice. Mon grand mât, c'est pour la belle qui s'agrippe à mes haubans. C'était poissonnière, t'entendais ? Fais pas de soucis pour ma poissonnière. Si elle était là, elle chanterait avec moi. Elle aime toujours bien ça, ta Marie. Ah oui, et c'est pas moi qui m'en plaindrais. Bah, je vais peut-être vous étonner, les gars. Mais pour Hortense, c'est pareil. Enfin, pas souvent. Tanguy roule, me dit-elle, je me plais mieux dans le gros temps. Abrite-toi dans ma nacelle, il y fait si bon dedans. Tanguy roule, me dit-elle, je me plais mieux dans le gros temps. C'est à moi. Abris-toi dans ma nacelle, il y fait si bon dedans. Voilà, c'est fini. J'ai beaucoup réfléchi depuis votre départ à la question que je devine que vous vouliez me poser en me demandant de vous écrire. La réponse est oui. Le 22 mars, le temps s'étant remis au beau, nous reprenons notre route cap à l'ouest. Une fois encore, la charmeuse a bien résisté. Rien de cassé à bord, les estomacs des mousses et de Pierre Abgral sont à mariner. Comme je l'ai promis à l'abbé Cadio, nous l'a réuni comme dimanche dernier pour entendre un autre sermon.
m'a chargé de vous lire pendant le voyage. Parce qu'après, nous n'aurons plus le temps. Enlevez vos bérets. Nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères, nous ne pouvons pas dire que tous les jurons que vous proférez soient de véritables blasphèmes et que vous ayez l'intention d'insulter Dieu. Vous direz, pour vous excuser, que le travail est dur, le temps mauvais, le vent debout. Raison de plus pour implorer humblement le secours du Seigneur et ne pas profaner son saint nom en y ajoutant les expressions les plus grossières. Nous savons que grand nombre de capitaines défendent de blasphémer à leur bord. Nous les en félicitons et nous souhaitons que leur exemple soit suivi sur tous les navires. Le premier qui rigole, il a mon poing sur la gueule. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Santé à votre fils. Au revoir, madame. Au revoir. Bon dimanche, mademoiselle. Oh, madame Louvet, c'était une très belle cérémonie. Nous avions beaucoup mieux. Je crois que vous êtes attendu. Leurs hommes sont partis depuis plus de 2 semaines. Elles viennent toucher le reste des avances. Et puis Serre va être contente, elles vont pouvoir acheter sans demander de crédit. Oui, ben ne te fais pas de soucis pour Marie-Ange, elle ne se plaint pas, elle y trouve son compte. Allez, bon dimanche, monsieur le recteur. Bon dimanche encore. Il va pas nous faire attendre 107 ans. Il n'a pas l'air pressé de vouloir nous les donner, nos sous. Venez, mesdames. Entrez. Je vous ai fait préparer un petit café. Antoinette. Antoinette. Oui, madame. Nous sommes là. J'ai entendu, madame. Si tu as entendu, qu'est-ce que tu attends pour apporter le café, pauvre innocent? Tout de suite, madame. Prenez place. Monsieur Louvet, laisse-moi m'occuper de mes invités, s'il te plaît. Voilà. Asseyez-vous, mesdames. Les hommes, hein, faut toujours que ça commande. Quelquefois, je vous envie de n'avoir pas à supporter vos maris dans votre giron pendant toute l'année. Oh non, faut pas nous jalouser, madame Louvet. On se fait trop de soucis pour eux. Quand on voit comme c'est beau chez vous. Hein, les filles? C'est une maison toute simple, c'est pas un château. Alors, y a rien de changé depuis l'année dernière. Si, la jolie bague que vous avez au doigt. Tu as raison. Observatrice, Marie-Louise, hein? C'est un cadeau de Monsieur Louvet pour notre anniversaire de mariage. Depuis qu'on ne fête plus au lit, il me fait des cadeaux. Je crois que j'ai gagné au change. Oh, il sent bon votre café, madame Louvet. Il peut. C'est du Brésil 100% pur. Nous le recevons directement des comptoirs de Nantes. Antoinette. Tout à l'heure, tu descendras à la réserve et tu remonteras un paquet de café pour chacune de nos amies. Elles ont l'air d'apprécier notre jus. Merci, madame. Vous avez des nouvelles, monsieur Louvet? Non, aucun vapeur ne les a croisés. Ils auront fait route par le sud pour éviter trop de vent contraire. Ils ne devraient pas tarder à arriver sur les bancs. Ils doivent s'en approcher, en tout cas. Dantec, Foursin... Le Breton Leclerc. Voilà, tout le monde est-il servi? Oui. Merci, monsieur Louvet. Tu peux partir. Voilà, nous, ce que nous avons à dire ne te regarde pas. Eh bien, puisqu'on me met dehors, au revoir, mesdames. Au revoir, monsieur Louvet. Bon, alors maintenant, mesdames, passons aux choses sérieuses. Hein. Avez-vous sauvé votre année, toi, Victoire? Oui. Et croyez-moi, je le regrette. J'espère tous les ans en vain. Je suis la seule à ne pas avoir d'enfant. Ça ne vient pas. Ne te désespère pas, regarde Désirée. Elle a attendu 9 ans avant d'avoir son gars. Hein? Et toi, Marie-Louise? Oui, je l'ai sauvée.
Et c'est tant mieux. Je me voyais pas grosse une fois de plus. Moi aussi, je l'ai sauvée. À moi, vous ne demandez pas, Madame Louvet? Si, mais je ne t'ai pas oublié, Colombe. Hein. Non, simplement, je voulais faire le tour de la table avant d'arriver jusqu'à toi. Hmm? C'est vrai qu'il sent bon. Depuis quelques jours, j'ai des envies de bon café à ne plus pouvoir tenir. Ça ne trompe pas, elle est belle et bien prise. Au moins, celui-ci aura de la chance, il naîtra dans les bonnes dates. Les matelots ne font que des gars, bordent la trinquette ballon, j'ai le ventre rond. Je crois bien que oui. Levez le nez, les gars! Voyez ce qui nous arrive! Ah, les voilà! Ah! Les oiseaux! Regardez les mousses! Les oiseaux! Hé! Hey, allez prévenir le capitaine que les oiseaux sont là! Oh! Eh oh! Les oiseaux! Les oiseaux! Allez, préparez vos lignes, matelots, si vous voulez manger du poulet ce soir. Entre. Capitaine, le second m'envoie vous dire que les oiseaux sont là. C'est normal, Louis. Tu vois, je les attendais pour demain. Ils sont un peu en avance. On va pas s'en plaindre, hein? Non, capitaine. Allez, monte. Pas encore qu'on passe pas devant. Ah oui, mon vieux, il a raison. Ils sont bien là. Hé, les oiseaux, ils sont plus courageux que nous. Ils restent tout l'hiver sur le grand banc pour pêcher leur nourriture. Quand on les voit, on est sûr qu'on s'est pas trompé de route. Salut les oiseaux. Léon ! Francis ! Avec moi ! Et tu viens, Francis ? Je suis en marmite. Oui. On bouffe quoi ce soir? Du dadin. À la bonne heure. Tiens, attrape ça, Kurusi. T'as rien de plus frais? Ah non, il préfère que ça pue. À quoi elle sert la viande, papa? C'est pour pêcher les oiseaux. Comment? Avec une ligne, comme pour les poissons. Qu'est-ce qu'ils vont en faire, je suis en marmite? Bah, du ratin, pardi. Y'a rien de meilleur que le ragoût de dadin, tu verras. Je t'avais pas accepté des oiseaux, moi, le dadin. C'est dégueulasse. Tu changeras d'avis quand tu l'auras dans ta gamelle. Tiens. Ah!
Encore une traversée de fête. Pour moi, c'est la 38e. Et la dernière. 38. C'est pour un contron. Tu pourras aller jusqu'à 40. Même si je voulais, quelque chose me dit qu'il n'y en aura pas d'autre. Qu'est-ce qu'il nous chante, là? Oui, qu'est-ce que tu nous chantes? Je sais pas, mais depuis qu'on est parti, j'ai un mauvais goût dans la bouche. Ben, bois un coup, ça te le fera passer. À la tienne. À la tienne. À la vôtre. Demain, on commencera à réduire la toile et à sonder. On va sortir le canon et l'essayer avant d'être pris par la brume. Arrête de te faire des idées. Ça ne sert à rien qu'à te faire de la bile, justement. Allez, finis ton verre. Ah, ce coup-ci, c'est de la part de Soulier Verni. Pour bien amorcer la pêche, comme il dit, la bistouille, c'est la boîte du matelot. À l'armateur ! À l'armateur ! T'as oublié la tournée du capitaine ? Accordé ! Ouais ! Avant d'être capitaine, il faut être matelot. Porter la blouse de laine, le béret de son bateau. Grimper au mât de misaine, sous quel prévoir à peau. Avant d'être capitaine, il faut être matelot. Au capitaine, oui. À l'équipeur, à l'équipeur. Mousse! On est loin! Votre mère peut plus vous voir! T'arrêtes de les emmerder! Il de fer, joue dans une valse! Étaler les drisses sur le bois et raventer la belle avant les bois. Larguer le hallebas du mât, choquer les coudes de la belle à choquer moi. Peser la drisse de pique de mât, guider la vergue, la belle, oh guidez-moi. Étarquer, pique, rélire le mât, lever les drisses, la belle, ballonnez-moi. À l'automne, je serai dans tes bras, dans les tuiles à trinquette, on trinquera. À la Toussaint, on se confessera, l'humour à l'aiguillette. Si on peut plus rigoler. Toi aussi, il va falloir qu'on te dresse. En avant la musique! Qui veut danser avec moi? Moi. Moi, je veux bien, mais c'est moi qui fais l'homme. Si tu veux, viens. Thank you.
vagues terrestres. J'y ai pas touché. Et en plus, ça répond. Tu veux que je te la fasse avaler de force pour te clouer le bec? Non. Laisse-le! Va t'asseoir. Écoutez-moi, vous autres. Et surtout toi, boîte d'horloge. Si mes gars font des conneries, je suis promis d'accord pour qu'on leur botte le cul, toi ou n'importe qui. Mais si je te vois les maltraiter sans raison, je te jure qu'il y en aura un ou deux qui ira à la baille. Mais qu'est-ce qui te prend, amant? Il me prend que tu vas pas en faire tes souffres de l'heure. Ça, c'est pour eux qui sont des compagnons de misère. As-tu mes patates? Oui, papa. T'as tort. C'est bon, Dada. J'en veux pas, je te dis. Félix. Oui. Tu te rappelles de Birubi? Oui. Ouais, ouais. T'aimes bien les oiseaux, toi aussi? Oui. T'as bien raison. C'est l'heure. Toi aussi, cuir aussi. J'ai pas fini. Pense comme toi, amant. Tu veux une chic? Non. Moi, je ne me serais pas contenté de lui dire. J'aurais foutu mon poing sur la gueule. Si t'as besoin d'un coup de bain pour le virer par-dessus bord, je suis ton homme. J'ai besoin de personne. Comme tu veux. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Au 260. 260. Réchauffe la marmite. Une seconde. T'attends pas que c'est chaud? C'est meilleur, tiède. C'est bon. Félix, quand on sera rentré, j'achèterai une femelle. On la fera couver et je te donnerai un petit. Approche. Et moi barré? Ah oui. Prends. Je prends. Alors les vents, ils sont où? À bâbord. Oui. Bâbord, sud sur roi. Quand tu vois qu'on dérive par tribord, tu rétablis comme ça. En regardant bien le bateau, bout à la lame. Voilà. Bien beau. As-tu compris? Oui. Redresse, double la partie.
Voilà, très bien. Allez. Où tu vas? Pas loin. Tu restes pas longtemps? Appuie-toi droit à faire ce que je t'ai dit. Ça va le décrasser. Et de toute façon, c'est de ma faute. J'avais oublié de te dire quelque chose. Quand tu vois une vague plus grosse que les autres, il faut que tu la précèdes pour lui présenter l'étrave avant qu'elle ne tosse sur le côté. Allez, va te coucher maintenant. On a assez appris pour aujourd'hui. Bonsoir, papa. Dimanche. Aval. J'ai une meilleure idée. C'est pas par là que tu vas l'avaler. Déculotte-toi. Déculotte-toi, je te dis. Retourne-toi. Mais c'est qu'il a la peau douce. Comme un poisson qui sort de l'eau. Je sens qu'on va avoir un secret tous les deux.
de quoi tu te mêles? Il m'empêche de dormir. J'ai bien le droit de lui claquer le cul, non? T'appelles ça lui claquer le cul? Arrête! Fais pas le con! C'est tout ce que t'as à dire? Je le ferai plus jamais. T'as intérêt. Sinon, c'est moi qui te foutrai à la baille. Tu seras mort avant. Branle-bas. Déjà. Bien dormi. Oui. Et vous? Comme d'habitude. Une demi-heure avant le branle-bas. Va falloir faire attention, Pierre, hein, les vents sont remontés au nord. S'il y a des glaces en dérive, on va pas tarder à voir arriver la brume. Quand les glaces sont là, faut pisser dans le poste. Parce que sur le pont, ça gèle. Ça sent la brume. Ça sent la brume, oui. Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que t'as chié un caplan. Je prends. Au 295. Les vents sont remontés. J'ai vu. Dès que tu vois que ça blanchit devant toi, tu fais le branle-bas. Et tu réveilles le capitaine. Léon a raison, ça m'étonnerait pas qu'on rentre dans la plume. Je sens déjà la rosée qui ruisselle sous ma chemise. Tu dors pas? J'attendais que tu reviennes. C'est qui t'a remplacé? Le père Le Breton. Et au beau soir? Ah, Pierre. Tu peux replier tranquille. On est en bonne main.
Rebas. Entre. Capitaine. On est dans la boucaille. Dans la brume. Et c'est pareil. L'équipage sur le pont. C'est déjà fait, capitaine. Pique. Léon, reste à la barre. Je reste. Amant. Capitaine. À la corne. À la corne. Félix. Joseph, il y a la flèche qui bat. Pierre, Curoussi, afferlez la flèche. Afferlez la flèche. Mousse, encore un coup de corne. François, prends la barre. Je prends. 285. 285. 20 degrés dans le sud. 20 degrés dans le sud. Léon. Tu nous emmerdes avec ta vaisselle. Écoute. Mousse, tourne le pavillon. Encore un coup sur l'arrière. Pavillon tourné. C'est bien. Encore un coup sur l'avant. Sur l'avant. C'est bizarre la façon dont il répond, tu trouves pas? Si. Si c'était un vapeur, on entendrait le moteur. Attends. Papa. Tais-toi. T'as de la glace. Où ça? Dans ta barbe. À gauche. Iceberge. Joseph! Vas-y! C'est pas la peine, c'est une glace. Où tu la vois? Ben, je la vois pas, mais j'ai côté de la barre tout gelé. Tourne encore un coup. Il a raison, c'est l'écho qui nous revient. De plus en plus vite.
Sortez les avirons! Préparez à déborder! Aux avirons! Chanter. La 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 la. Assoyez-le fidèle. Gardez bien votre cœur à ces marins modèles qui ont tant de malheurs. Qui ont tant de malheurs. Ta gueule! Écoute, nom de Dieu! Écoute! Écoute! Capitaine, la v'là! Henri, Manu, à l'avant. À déborder. Prends. Je prends. Dis donc, Léon, j'ai trouvé des cachets au fond de la boîte à pharmacie. Ils datent de l'année dernière, mais ils doivent être encore bons. Le médecin les a pas remplacés. En veux-tu ? Pourquoi faire ? Pour ton estomac ? J'ai pas d'estomac. C'est pas de ça que tu te plaignais l'autre jour ? Jamais de la vie. C'est peut-être les bronches ? J'ai pas de bronches non plus. L'air que je respire descend directement dans mon ventre. C'est pour ça que je pète si souvent. Les 24 et 25 mars, navigation ralentie, brume épaisse, coupée d'éclaircies, glace en dérive. Le 27 mars, clair et froid, les icebergs se sont arrêtés à l'accord des bons. À l'accord des bons. Nous.
commençons. À sonder les fonds. Quarante-deux. Prends. Je prends. T'as pas confiance? Oh non, crois pas ça. C'est juste pour le plaisir de sentir le fond. Je me plais mieux dans le gros temps. Abrite-toi dans ma nacelle, il y fait si bon dedans. Mon dit bonne femme. Tu vas être bien gentil avec moi, Arthur, si tu veux que j'oublie ce que tu m'as fait. Bon Dieu. Tanguy roule, me dit-elle. Si t'étais là, je te ferais couiner. Et pas qu'un coup. Tanguy roule, me dit-elle, je me plais mieux dans le gros temps. 42. Vire la lampe. On est là. Sur le platier du Grand Banc. C'est une chance d'être arrivé dessus du premier coup. Regarde. Si on remonte un peu, on va trouver des fonds de 13 mètres. Sur le banc Bertel. Un banc de sable infesté de coucous. On va suifer le plomb pour voir si on arrive dessus. Pas bon. On n'est pas tout seul. Oh, ça, c'est des fécamp pois. Sont pressés d'arriver pour repartir plus vite. Comme ça, ils vendent leurs poissons plus cher que nous. Remarque, ils repartent plus vite parce qu'ils ont le ventre moins gros que le nôtre, hein. C'est bon. C'est bon. Tire. Tire. Al dessus doucement. Du monde au galop. Mouille. Ah, qu'est-ce que tu bois vite, toi. À la vôtre, les gars. À la vienne, capitaine. Répare ici les patrons. On tire au sort les Doris.
À toi l'honneur, Léon. T'en mets du temps. On choisit ton numéro tant qu'il y est. Le 8. On est pas mal tombé. C'est pas le plus neuf, hein. Il a fait une demi-douzaine de campagnes, mais c'est pas le plus mauvais. Qui est-ce qui l'avait l'année dernière ? Aimé Lefeuvre. Moi, j'avais le 14. C'est celui qui remplace le 13. C'est un numéro qu'on donne jamais, le 13. Je sais. Ça nous a quand même pas porté chance, hein. Fil de fer. Oui. Je loue ta valse. Et toi, papa ? Le 14, j'ai le 14. C'est pas bien ? Si, si, c'est bien. Tout le monde est servi ? Tout le monde est content ? Non. T'as quel numéro ? Le 11. Bah de quoi tu te plains ? Ah, tu manques pas de culot, toi ! Il était temps qu'on arrive. Ça sent la ronde. Hein, Louis ? Bon, Louis, il croyait avoir le cœur bien arrimé depuis qu'il a plus le mal de mer, hein ? Qu'est-ce qu'on fait quand on a plus de viande ? Réfléchis. On pêche avec les premiers bulots qu'on prend. Après... on a pâte, avec du mauvais poisson. Ah. Allez, embarque. Allez, à toi l'honneur. Pierre. Quand t'es venu à la ferme t'embaucher l'année dernière, je parie que tu pensais pas te retrouver là cette année. Ah ça non. T'as de la chance, Léon. Pourquoi ? Tu vas être bien secondé. Grâce à qui ? Bon dimental. Mais... allez, donne ton premier coup de pelle. Arrête des boîtes, c'est pas le bulot. C'est l'encornet. En as-tu déjà vu ? Non, mais je vois ce que c'est. C'est comme une petite margate, ça a des cornes. Comme Jean-Marie. Enfin, lui et bien d'autres hein, qui ne savent pas ou qui s'en vantent pas. J'aime bien pêcher l'encornet. C'est beau à voir dans l'eau. J'arrive en banc comme la sardine et le maquereau. Ça grouille partout autour du bateau. La mer devient rose et elle boue comme de l'eau dans une casserole. C'est quand ça ? À la belle saison. Enfin, quand je dis la belle saison, c'est pour ceux qui sont restés au pays, parce que nous, le soleil, on va pas le voir beaucoup. Hein. Sais-tu que depuis 38 ans, j'ai pas vu un pommier fleuri ? S'il n'y avait pas les images, j'aurais même plus ce que c'est. C'est pour ça que je demande à Hortense de prendre un calendrier des postes avec des arbres au printemps.
Je les regarde l'hiver, avec Birubi. Rappel de Birubi. Votre ménate ? Oui. Ça l'intéresse, lui aussi. Vous croyez ? Ben, j'en suis même sûr. Ça lui rappelle ses pays chauds. On voit pas de pommiers quand on fait relâche à Saint-Pierre ? Ah, mon pauvre gars, des pommiers à Saint-Pierre ! Il y en a autant que de louis d'or dans la poche d'un matelot. Il fait trop de vent là-bas. Il serait tout de suite déraciné. Il n'y a pas plus de 10 cm de terre sur le caillou. C'est comme chez moi. Dis donc, t'as pas déjà le mal du pays ? Non. Il y a combien de temps que t'es pas retourné dans tes montagnes ? Depuis le mois de mai. Ça va bientôt faire un an. Y a d'autres personnes qui t'attendent là-bas ? Non. Viens. Fais-moi voir comment tu frappes ton hameçon sur ton ampli. Non, tu croches ton hameçon là, dans l'anneau d'abord. C'est pas ça du tout. Là, il tiendra pas longtemps. Hein. Regarde. Tu le prends dans la main gauche. Voilà, tu croches ton hameçon. Voilà, tu passes là, une boucle. Deux boucles. Et tu repasses dedans. Voilà. Tu tiens avec la main gauche et tu souples avec la main droite. Ouais. Et là, ça s'en va pas. Faut toujours commencer par laisser faire ce qu'il faut pas faire, tu vois. Après, on apprend mieux et ça reste ancré, là. Allez. À toi, maintenant. Voilà. Souffle bien, hein? Vérifie que l'hameçon risque pas de se dépoucher. Un hameçon qui lâche, c'est une morue en moins et des soutes perdues. T'as pas l'air malin, tiens, quand ça t'arrive. Tu remontes ta ligne tranquillement, le poisson commence à se débattre dans l'eau, et au moment de l'embarquer, hop, un coup de queue, il repart avec ton hameçon dans la gueule. Et forcément, c'est une grosse morue. De quoi te donner des regrets et te faire traiter de tous les noms vers ton patron. Et des petites ou des grosses, pour nous, c'est pareil, puisqu'on est payé à la pièce. Oui, mais moi, je préfère les grosses. Allez, donne. Ah oui, voilà, c'est bien. Alors maintenant, il faut les rainer, tu vois. Alors, hop, une boucle, tu repasses et tu repasses dedans. Voilà. Comme ça, tu risques pas de crocher. Ne l'oublie jamais, la pêche dépend du soin que tu mets à préparer tes lignes, à les boîter. Quand tu bâcles, y a pas la récompense au bout. Par chez moi aussi, on parle comme ça. Combien de fois j'ai entendu mes patrons me dire « Un champ mal labouré n'aura pas de bonne récolte. Si tu sabotes ton boulot, t'empêches la terre de tourner rond et rien ne pousse. » Ah bah tu vois, même les paysans, ils disent pas que des conneries. Mais ce qu'ils t'ont sûrement pas dit, c'est qu'avec les femmes, c'est pareil. Quand tu les entreprends, si tu mets pas de soin à les chauffer, elles frissonnent pas beaucoup. As-tu remarqué ? Fais attention, hein. Y a pas que les hameçons qui piquent. Il reste souvent des éclats de coquilles fichés dans la bidoche. Le vache, c'est que tu les vois pas et quand tu les sens, c'est trop tard. Regarde mon pouce. À quoi ça te fait penser, hein ? Je sais pas. Une paire de fesses. Et c'est toujours la gauche qui prend. J'étais novice.
Heureusement, le capitaine avait de la bonne goutte. Et un couteau bien aiguisé. Ah. T'aurais vu ça? Le pu a giclé comme s'il sortait des trous de nez d'une baleine. Toi, tu t'emmerdes pas, chien marmite. T'as pas loin à faire ton marché. Te plains pas, c'est tout frais, ça. C'est la coquille qui est fraîche, pas le dedans. C'est des manches chrétiens, ces vaches-là. Ça ah des noyés. Bah, t'as qu'à pas y penser. Eh ben, je peux pas faire autrement. Mais arrête, laisse-moi les choisir. Bah, ailleurs. Charogne. Saleté. Tiens sur ta gueule. Salaud. Vous mangez pas? J'ai jamais été très fort sur les coucous. C'est pourtant bon. Ouais, mais avec l'âge, on a moins besoin de se nourrir. Tiens, donne ma part à Jean-Marie. Il aime mieux les coucous que l'encornet. Pas vrai, Jean-Marie? Si. Viens me voir sur le pont, quand t'as fini. Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Du haut de son grand chêne, la vie répond à coucou. Coucou, hibou, coucou. Coucou, coucou. Coucou, hibou, coucou. Coucou, coucou. Ce qu'il faut qu'on trouve, c'est des couilles de breton. Marie, vous savez pas ce que c'est? Non. Dis-leur, je suis en ermite. Bah, c'est comme... une paire de roupettes pendues dans le goémon. Oh, des petites roupettes, hein. Allez, lequel commence? Moi. Allez, Louis. Tu mouches, chien marmite. Quand il y a des couilles de breton, il y a de la morue. Allez, tu plus vite que ça. Pas quelques-uns? Non, merci. Je les digère plus. Ça me remonte. Approche. Ce que j'ai à te raconter n'a pas besoin d'être entendu par tout le monde. Sais-tu que j'ai une fille? Non. Quel dommage que tu sois pas venu plus tôt dans le pays. Je te l'aurais donné. Ça lui aurait évité de mal tourner. Tu la verrais. C'est une belle fille. Elle est gentille avec ça. Elle a tout pour faire le bonheur d'un homme. J'en veux à ma femme, si tu savais. À chaque prise de bec, elle arrêtait pas de lui répéter « Yvonne, te marie pas, un marin, regarde comme la vie est belle. » À force, elle s'est laissée convaincre. Et comme elle voulait pas d'un ouvrier de ferme, elle a épousé le bon Dieu. Elle s'est faite bonne sœur? Oui. Pour mon malheur, celui de sa mère. Maintenant, il est trop tard. J'ai tout essayé pour la faire revenir sur sa décision. Tant qu'elle n'avait pas prononcé ses vœux, j'avais encore un espoir. À un moment, j'ai cru que j'allais réussir. Je lui ai présenté un gars qui avait fait campagne avec moi. Un bon gars. Je les ai laissés un moment tête à tête en disant qu'il serait dû parler. Ici est tellement bien pris ce coin qu'elle s'est enfuie au bout du monde. Où ça? En Afrique. Dans la brousse. Faire le catéchisme au petit négrillon.
Heureusement, elle fait pas que ça, elle les soigne aussi. Toi, t'aurais été plus malin. T'aurais su la rendre heureuse, je le vois bien. Louis, on en a ! Capitaine, on a des couilles de breton ! Et ce coup-là, nous voulons arriver pour de bon. On a de la chance, il fera beau demain. Et regarde, ça se dégage dans les fonds. Tu vois là-bas ? Une bonne marée ! C'est de l'argent de gagné. On va tirer au sort les airs de vent. Vous avancerez de 30 degrés tous les dimanches. Chacun de vous fera à peu près deux fois le tour du cadran jusqu'au mois d'octobre. Pourquoi tu changes le système ? L'ancien était bon. Numéro 1 au nord, et ainsi de suite jusqu'au dernier Doris. Parce que les 6 premiers Doris sont les plus vieux. Et que ceux qui vont du nord à l'est ne sont pas avantagés, ça vous le savez aussi bien que moi. De toute façon, il y a longtemps que je voulais trouver un moyen pour essayer de rétablir un peu plus de justice. Et le seul que j'ai trouvé, c'est celui-là. C'est ce qu'on va faire. Parce que je l'ai décidé. Ça te va, Léon ? Si c'est ton idée. Annonce, Louis. Qu'on voit si tu sais lire une boussole. Norrois, un quart nord. Bien. Pour qui ? François Labatte. Allez, continue. Est, demi-sud. Bien, pour qui ? Boîte d'horloge. Tu peux pas m'appeler par mon nom, moi aussi ? Et tu le connais pas, peut-être ? Si. Jean Carillon. Qu'est-ce que tu nous emmerdes, Jean les clochettes ? Tu vas pas nous chier une pendule ? Allez, allez. Presse-toi, Louis, continue, sinon on va perdre la marée. Suette, un quart sud. Bien. Auguste Leroux. Moi, je préfère Cure aussi. Des Auguste Leroux, il y en a plusieurs, mais des Cure aussi, il n'y en a qu'un. C'est vrai, ça. De mon temps, quand on était mousse, on avait un peu plus de respect pour les patrons de Doris. Qu'est-ce que tu trouves encore à redire ? Je dis que je voudrais savoir si le gamin a bien mélangé les papiers dans la casquette avant de commencer le tirage. Oui, il les a bien mélangés. Vous l'avez vu, vous autres ? Moi, je l'ai vu. Continue, Louis. Sud, demi-est. Bien. Pour qui ? Amant Guilbert. Ça prouve que t'as pas triché, mon gars. Tu sais à quoi tu penses. La mer sera pas aussi maniable tous les jours. Oh non. C'est une chance de démarrer par beau temps. Comme dit le père le Breton, c'est bon signe. J'espère qu'on ramènera tout notre monde cette année. Vivement qu'on y aille, nous aussi. Tu rigoles ? On n'a pas encore la force de souquer sur les avirons. Si. Mousse ! C'est pas le tour de rêver. Faut venir me donner un coup de main pour préparer la cale. On arrive !